Bonsoir tout le monde, les amigos. Pourquoi c'est toujours pareil? Ça, c'est ma question, les gars. Pourquoi c'est toujours pareil? Pourquoi les arbitres portugais ils se font pas virer, les gars? Je comprends pas. Toi, t'es salarié, tu fais une mini-erreur, t'es viré direct. Eux, ils font des erreurs tous les matchs, ils sont pas virés, les gars. C'est incroyable, les gars. Sur la vie de ma mère, hein. Celui qui me dit car carton rouge. Sur Fabio Cardozo, c'est un putain de menteur, bande d'escrocs, va. Il n'y a que comme ça que vous pouvez gagner, bande d'enculés, va. La vie de ma mère, je vais pas peser mes mots pendant ce débrief, les gars. Sur la vie de ma mère, faut que je m'assoie, faut que je me pose, faut que je me calme, faut que je me canalise, les gars. Sur la vie de ma mère, c'est incroyable. Je suis sous le choc, les gars, sous le choc. Comment tu peux niquer un classico à la 19e minute? Dites-moi la vérité, 19e! Et ce fils de lâche. La vie de ma mère, si c'était vraiment un arbitre, il avait du poing dans la tête et qui se positionnait, les gars. Pourquoi il met pas carton rouge aussi sur David Carmo? C'est la même faute, les gars. Exactement la même. La vie de ma mère, c'est où qu'ils ont fait leur formation, ces bandes d'enculés d'arbitres, les gars. Toujours le même qui nous baise. Il a une calvitie sur la tête, miskine. La vie de ma mère. Hein. J'espère juste une chose. Ta femme, j'espère, elle va te quitter, elle va partir avec les enfants, elle va même pas te laisser la baraque, espèce d'enculé, va. La vie de ma mère, tu me dégoûtes. Comment il s'appelle? Pinheiro, là, il s'appelle comme ça, les gars, c'est lui. La vie de ma mère, c'est incroyable. Choqué, les gars. Je suis sous le choc. Tous les matchs, on se fait baiser, les gars. La vie de ma mère. On va jouer avec qui le prochain match en défense centrale, les gars? La vie de ma mère, Pep blessé, Marcano blessé. Cardozo suspendu, la vie de ma mère, c'est grave. Dites-moi, la vie de ma mère, ça me rend fou, les gars. Le tacle, il touche le ballon propre, la vie de ma mère. Et en plus, même s'il tacle, oh, il a 40 mètres des buts, la vie de ma mère. C'est comme s'il était à Bordeaux, frère, il devait aller jusqu'au Portugal, les gars. Oh, c'est incroyable. La vie de ma mère, il y avait le défenseur qui revenait, le gardien, tout, les gars, tout. C'est incroyable, je suis sous le choc, sous le choc. Je vous dis la vérité, la vie de ma mère, les gars. La vie de ma mère. Et en plus, il ne met pas carton rouge alors que la faute elle est plus flagrante, les gars. Ici, faute de David Carmo sur l'autre enculé de Rafa. Pas de carton rouge, les gars. Pas de carton rouge. Alors que là, il partait vraiment au but, les gars. Vraiment. La vie de ma mère. Hein. Juste, j'espère une chose. Le prochain match où il vient arbitrer à Porto, les gars, j'espère juste une chose. J'espère juste qu'on va lui l'enculer, sa famille, sa voiture. Et qu'on va lui faire manger ses cartons en pleine gueule, les gars. Sur la vie de ma mère, je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté malgré ça. Il nous a niqué le match, les gars. Comment? Déjà à 11, on est nul. Alors imagine à 10, frère. La vie de ma mère, à 10. Oh là, qu'est-ce que tu veux faire pendant 70 minutes de jeu? 75 même avec le temps additionnel. C'est grave, les gars. Qu'est-ce que tu veux faire à 10 contre 11? Pas chez toi, dans un stade. Que, voilà, bon, c'est notre jardin, les gars, on le connaît très bien, mais dans un stade qui n'est pas le nôtre, les gars, sans vraiment des supporters, parce que malgré qu'on était 3000 ce soir, les gars, on a entendu que nous, les gars, que nous, et c'est la vérité, les gars, sur la vie de ma mère. Je suis choqué, les gars, j'ai juré, je suis choqué. Comment tu peux, dites-moi la vérité, dites-moi la pure vérité. Sortez-moi un classico, les gars, n'importe où dans le monde où l'arbitre il a mis un carton rouge à la 20e minute. Dites-moi, les gars, dites-moi, il n'y a que au Portugal que tu vois ça, sur la vie de ma mère. En plus, ce soir, j'ai dû me battre pour voir le match, les gars. En France, pas de match, rien, les gars. Heureusement, j'ai mon IPTV pour regarder les matchs. La vie de ma mère, je suis sous le choc. C'est un truc de fou. La vie de ma mère, Di Maria, espèce de sale fraude, casse-toi, frère. La vie de ma mère, qu'est-ce que tu fous à Benfica? La vie de ma mère, le but, il est attribué à toi, mais c'est même pas toi qui a marqué, frère, sur la vie de ma mère. Le mec, il a fait quoi? C'était la 60. Oh là, c'est la vie de ma mère, les gars. C'était la 70e minute de jeu. Le mec, il a fait quoi? On dirait que c'était la 99e minute de jeu, les gars. Il a enlevé son maillot, il a fait 18 tours de terrain, il a glissé. Oh là, oh. Oh la vie de ma mère, tu t'es ridiculisé. Tout le monde a vu ton corps de lâche. Et c'est la vérité. La vie de ma mère. Sur la vie de ma mère, les gars. Oh, c'est grave, les gars. C'est grave. Oh la vie de ma mère. En plus d'avoir l'arbitre avec eux et de jouer
Ah, 15 contre 10, les gars, 15, parce qu'il y a 4 arbitres, les gars. Et encore, je compte pas ceux qui sont dans la VAR. Ceux qui sont dans la VAR, c'est vraiment quand ils veulent. Quand il met le carton rouge, il va pas voir la VAR. Quand il met le carton jaune, il va voir la VAR. Ça, c'est incroyable. C'est atroce, les gars. C'est incroyable et c'est une injustice pure et dure. Quand c'est que ceux qui mettent les arbitres, là, je sais même pas qui c'est. L'UEFA, je sais même pas qui, les gars. La Liga, je sais pas qui, les gars. Quand c'est qu'ils vont se réveiller, quand c'est qu'ils vont regarder les images, les gars, c'est incroyable. La vie de ma mère, c'est incroyable. Quand tu mets le rouge, direct, rien, les gars. Tout le monde, la vie de ma mère, hein, tout le monde était sous le choc, les gars. Tout le monde, même les supporters des rouges, là, ils se sont demandé, mais ah ouais, incroyable. Incroyable. Vous savez, quand tu t'attends pas à un truc, mais que ça se passe et c'est bénéfique pour toi, sur la vie de ma mère ce soir, c'était la même chose, les gars. C'était bénéfique pour eux, mais ils s'y attendaient pas du tout. Il n'y a que l'arbitre qui a pensé à mettre un rouge, les gars. Que l'arbitre. Même ces putains de supporters de merde, ils s'y attendaient pas, les gars. Sur la vie de la mer, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie internationale, les gars. La vie de la mer, j'espère que le club, sur la vie de ma mère, hein, j'espère que le club va porter plainte contre cette injustice, les gars, et que la vie de ma mère, le match va être rejoué, les gars, sur la vie de ma mère. Moi, je demande que ça, que lui ne puisse plus arbitrer parce qu'il a rien à faire sur une pelouse de football, parce qu'on sait très bien pour quel club il est, et que le match soit rejoué, bordel de merde. La vie de ma mère, refais un match où tu veux, frère, on les pète à 11 contre 11, les gars. 11 contre 11. Angel Di Maria, la vie de ma mère, toi comme tu me dégoûtes, bon, toi c'est terrible les gars, la vie de ma mère, Di Maria, la vie de ma mère, apparaître le garde du corps de Lionel Messi, à quoi tu sers? Il faut dire les termes les gars, à quoi sert ce mec? La vie de ma mère, il est trop nul, il est trop nul, Wendel, nique ta mère toi aussi, nique ta grosse tante, Wendel, la vie de ma mère, espèce de fraude, va. Bon, après c'est pas trop sa faute les gars, mais bon. Fallait que ça sorte, les gars. Je suis dégoûté. En fait, ce soir, il n'y a même pas eu de match, les gars. Franchement, on aurait perdu à la loyale. 1-0, 2-0, 3-0, ce que vous voulez, les gars. Ok. Mais là, on se fait baiser, les gars. On s'est fait baiser ce soir. La vie de ma mère. Le pire, c'est que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu parlais avec l'arbitre. Bim, jaune. Direct, les gars. Direct. On est dans une catégorie, les gars, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Notre place au Portugal, elle est terrible, les gars. C'est une dinguerie. Je comprends pas pourquoi il y a des arbitres qui trichent à ce point-là, les gars. Laissez je sais pas moi, pensez aux téléspectateurs, pensez à tous ceux qui regardent le match, pensez à. Putain, pensez à tous ces gens-là qui regardent le match, les gars. C'est grave. Tu niques un match à 19e minute, tu mets rouge sans hésiter, sans aller voir la VAR, les gars. C'est grave. Il n'y a que moi qui trouve ça bizarre, les gars, sur la vie de ma mère. Je suis sous le choc, les gars. Il n'y a rien à dire. Je sais pas comment je vais faire pour dormir, les gars. Je vous dis la vérité. Et voilà, les gars, tout simplement. Voilà, les gars, sur ce, peace, les gars. Et surtout, les gars, allez Porto, même dans les défaites. Je veux rien savoir, les gars.